C'est un plaisir et un honneur pour moi aujourd'hui, au nom du gouvernement français, mais aussi de cette communauté française de près de 30 000 personnes qui vivent aujourd'hui de façon très heureuse aux Émirats Arabes Unis, de présenter toutes mes félicitations au leadership, mais également au peuple des Émirats Arabes Unis pour ces 44 ans, ce 44e anniversaire de la création d'un État qui est aujourd'hui devenu, dans le monde arabe, cette référence de stabilité, de progrès, d'ouverture. La France est très attachée à son partenariat stratégique avec les Émirats Arabes Unis. Les Émirats sont devenus un allié et nous avons vécu ensemble des moments très heureux, mais aussi des moments difficiles. Je veux avoir aujourd'hui une pensée pour tous ceux qui, aux Émirats, ont perdu un père, ont perdu un fils, ont perdu un frère, ont perdu un ami. La France, plus que bien d'autres pays, sait ce qu'il en coûte de rester debout face au terrorisme, face à l'obscurantisme, pour défendre les valeurs universelles qui sont aujourd'hui les nôtres, celles de l'universalité, celles de la coexistence pacifique, celles du progrès. Et donc, nous sommes encore une fois aux côtés des Émirats. Vous m'avez posé la question de savoir s'il était important, si cette coopération pour nous était importante. Elle est capitale, cette coopération bilatérale. Aujourd'hui, la France a besoin des Émirats Arabes Unis. Nous sommes totalement intégrés dans les domaines de la sécurité, dans le domaine culturel, mais également dans bien d'autres. Aujourd'hui, la France sera fière de participer à cette nouvelle frontière qui a été montrée par la direction, le leadership émirien, qui est celui de ce progrès, de ce programme spatial. La France, les Émirats Arabes Unis trouveront la France à leur côté pour ce challenge que son Altesse, cher Zayed bin Sultan Al Nahyan, aurait adoré tracer lui-même et dont aurait peut-être voulu rêver. Aujourd'hui, qu'attendons-nous de la France? Qu'attendons de la France aux Émirats? Je crois qu'on attend de nous que nous soyons présents, que soyons l'allié que nous avons toujours été, qui dit ce qu'il fait, qui fait ce qu'il dit. Je crois que l'année prochaine, nous allons avoir à cette époque un moment formidable de coexistence, en tout cas pour montrer à quel point nous sommes unis. Ce moment, ce sera l'ouverture du Louvre à Abu Dhabi, le premier musée universel créé au monde depuis le Metropolitan Museum de New York en 1872, qui montrera de façon éclatante au monde à quel point les valeurs d'universalité sont défendues dans ce pays et à quel point il reste pour l'Occident, en tout cas, un allié fondamental dans la lutte contre l'obscurantisme. Encore une fois, à chacun et à toutes, je souhaite un très heureux anniversaire et vous dire encore à quel point nous sommes fiers, nous, Français, d'être présents dans ce pays.